Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier le discours de la méthode, 1637, de René Descartes. Descartes publia des extraits du traité du monde et de la lumière, la dioptrique, les météores, la géométrie, et introduisit une préface, intitulée Discours de la méthode, pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, qui est restée célèbre. Préceptes de la méthode. Les règles de la méthode sont ainsi présentées par Descartes dans le discours de la méthode, comme la multitude des lois fournit souvent des excuses aux vices, en sorte qu'un état est bien mieux réglé lorsque, n'en ayant que fort peu, elles y sont fort étroitement observées. Ainsi, au lieu de ce grand nombre de préceptes dont la logique est composée, je crus que j'aurais assez des quatre suivants, pourvu que je prisse une ferme et constante résolution de ne pas manquer une seule fois à les observer. L'évidence, le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle, c'est-à-dire, d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit, que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. L'analyse, le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerai, en autant de parcelles qu'il se pourrait, et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. La synthèse et le raisonnement, le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples, et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu comme par degrés jusqu'à la connaissance des plus composés, et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. Le dénombrement, et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre.